laboratoire Epsilon, associé à la Mutualité française, a conçu le programme Résolution 50. L'idée est toute simple. Il y a deux périodes de la vie où il y a une réduction significative de l'activité physique, l'adolescence d'une part et la cinquantaine. Et en fait, insidieusement, on fait moins d'activité physique sans s'en rendre compte. Et le but est de pouvoir repratiquer une activité physique, mais pas de n'importe quelle manière, donc avec une évaluation qui va se faire ici au Palais universitaire des sports. Donc une évaluation qui va être d'ordre biologique, biopsychosocial en fait, physiologique, psychologique et sociale. Et donc les personnes, les cinquantenaires, vont repartir avec un résultat de tests biopsychosociaux et donc un annuaire spécifique d'activité physique sur lequel ils vont pouvoir pratiquer non pas une activité sportive dans une orientation de performance, mais bien en fonction de leur santé. Et donc, pour certains, ils vont avoir une recommandation, une incitation à développer leurs ressources plutôt d'endurance ou d'équilibre ou de force ou de mémoire, d'attention, de gestion du stress, de renforcement de l'estime de soi. Et donc, l'annuaire va leur permettre de trouver les associations montpelliéraines et autour de Montpellier pour pratiquer une activité physique en sécurité et donc ainsi améliorer leur qualité de vie, si possible bien sûr retarder pour certains l'apparition d'un certain nombre de pathologies et si on regarde ce programme au niveau plus macro, de faire des économies de santé, c'est-à-dire de limiter les dépenses de santé qui pourraient être prévenues grâce à la pratique d'activité physique. À travers ce programme Résolution 50, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent déjà depuis un an, puisque ici en 2012, nous sommes à la deuxième génération de ce programme Résolution 50, c'est-à-dire la Mutualité française donc de Roussillon, la CAMIEJ, donc les mutuelles de santé, également nos partenaires collectivités territoriales. Je tiens à remercier chaleureusement la municipalité de Montpellier et l'agglomération. Nous avons également des partenaires de santé, l'agence régionale de santé, la direction régionale jeunesse et sport, les universités de Montpellier, Montpellier 1, Montpellier 3, et donc en particulier de l'université Montpellier 1, l'UFR STAPS, la faculté qui nous donne et met à disposition ces magnifiques locaux pour réaliser ce programme. Nous tenons également à remercier les associations de pratiques sportives pour nous avoir soutenus. Première année était une étape exploratoire car elle coïncidait quasiment avec la création du laboratoire Epsilon en janvier 2011. Cette deuxième édition a réuni 97 personnes ici au Palais universitaire des sports.